des sons de cloche et l'assemblée qui se fige pour une minute de silence. Il est 8h15 à Hiroshima, l'heure à laquelle, il y a 70 ans très exactement, un bombardier américain larguait la première bombe atomique de l'histoire, semant le feu et la peur sur la ville japonaise. Devant le mémorial de la paix, une foule de 55 000 personnes unies dans le même recueillement. Au premier rang, le premier ministre japonais Shinzo Abe, entouré des représentants d'une centaine de pays, le plus grand nombre jamais présent en cérémonie, dans cette ville devenue le symbole du pacifisme. Je suis déterminé à intensifier nos efforts pour créer un monde sans armes nucléaires. Le premier ministre japonais a annoncé que son pays allait présenter une nouvelle résolution cette année à l'ONU pour abolir l'arme nucléaire, un geste avant tout symbolique.